Bonjour. Organiser votre séance de dédicace en pleine Covid, c'est désormais possible. Dans cette vidéo, je vous explique en 7 étapes par quel génial procédé français dédicacer vos livres, surprendre vos lecteurs pour faire, comme avant, autrement. Je suis Fabienne, la concrète prestation d'édition pour auteur auto-édité ou pas, et manuscrit en couveuse, refusé ou oublié dans le tiroir. Le masque n'aura pas la peau des dédicaces. Alors, pour que vous conserviez votre passion d'auteur et le lien avec vos lecteurs, la concrète vous présente une solution concrète, française, indispensable à votre boîte à outils d'auteur. Dédi, c'est son sympathique petit nom, vous permet de glisser votre dédicace originale à n'importe quel endroit de votre livre en version numérique. Et comme Dédi est intelligent, il personnalise aussi votre livre papier à volonté tout en créativité. Et c'est un procédé que j'aborde dans quelques instants. Prévenez d'abord vos lecteurs que vous organisez votre séance de dédicace à distance, puis convenez du jour et de l'heure avec chacun d'eux en organisant la rencontre de trois manières possibles. Soit en visio, Skype, Zoom, WhatsApp ou la vidéo de Messenger, soit par téléphone et pour les plus timides, simplement par email. Vous êtes prêts? Comme lors d'une séance de dédicace en librairie, discutez quelques instants avec votre lecteur et demandez-lui de vous envoyer le livre numérique qu'il vous a acheté, à quelle page il désire votre dédicace, s'il veut y ajouter une ou plusieurs photos de son choix, ou vous à votre table d'auteur par exemple, ou de vous deux, lecteur-auteur, avec une capture d'écran. Et comme vous êtes créatif, vous avez déjà en tête votre mot de dédicace. À ce sujet, qu'écrivez-vous à vos lecteurs lors de vos séances de dédicace? J'attends vos réponses en commentaire en dessous de la vidéo. Et c'est là que Dédi s'affiche sur votre écran aussi simplement que votre logiciel de traitement de texte ou de mise en page, préalablement téléchargé sur votre ordinateur, PC ou Mac, en toute sécurité et légalement. Prenez facilement Dédi en main pour la composition de l'esthétique de votre dédicace personnalisée. La page de votre livre où insérer la dédicace, en texte de votre choix, en couleur, avec ou sans photo, signature manuscrite, enregistrée et zou! Au lecteur suivant! Votre page de dédicace personnalisée s'affiche à la page du livre numérique de votre lecteur. Dédi a fait son travail et il vous reste à renvoyer le livre numérique à l'adresse email de votre lecteur. Authentifié, infalsifiable, la dédicace protège aussi votre livre contre les copies. Et qu'en est-il de votre livre en version papier alors? On y arrive. Il suffit d'imprimer la dédicace pour la glisser dans le livre ou en dédicace à part. Vous n'avez pas leurs coordonnées? Alors c'est le moment de vite modifier le manuscrit original de votre livre numérique et d'ajouter à l'attention du lecteur qu'il vous contacte à votre adresse email pour obtenir une dédicace personnalisée qui rend son livre unique. Et pour vous faire gagner du temps, je vous donne un exemple de message sympathique en lien en dessous de cette vidéo à insérer dans votre livre. Mais si la manœuvre vous semble délicate, vous pouvez toujours me contacter en commentaire sous cette vidéo. Pour être accessible à tous, facile à utiliser, en illimité, sécurisé, avec ou sans connexion, sur n'importe quel ordinateur et surtout à votre unique nom d'auteur, le papa de Dédi, qui est aussi écrivain et il connaît bien vos attentes, vous remet tous les pouvoirs de Dédi pour seulement le prix de deux livres de poche. Allez, bas les masques pour votre dédicace. Montrez à vos lecteurs que vous les aimez, que vous les remerciez au sein même de leur livre numérique ou papier avec une dédicace personnelle, à distance, créative, facile à réaliser, intelligente,
en face à face ou pas, dans le respect des gestes barrières et à tout petit prix. C'est dédié et tout est dit. Et je vous rappelle que votre petit geste de liker, commenter, partager et vous abonner à cette vidéo est très précieux pour que la chaîne YouTube de La Concrète monte en première ligne. Je vous en remercie et à très bientôt.